Inspection générale police nationale d'Haïti gagne un bureau vérification et contrôle dans l'idée pour assainir institution la police là épurer effectif li. Cérémonie inauguration bureau ça déroulé dans local IGPNH dans Delma 2 en présence représentant corps diplomatique au état-major police là. Seul processus certification qui capable restaurer pleine confiance population dans la police selon ministre AI justice et sécurité publique là Emily Prophète Milsé. Ce processus de certification que nous lançons aujourd'hui de façon permanente va permettre à la population de mieux accompagner la police parce qu'elle saura que tous les agents de la PNH ont la moralité, l'intégrité et la compétence nécessaire qu'il faut pour remplir leur mission de protéger et de servir. Bon côté PAL, chef PNH France LB, mandé gouvernement et partenaires internationaux pour continuer à supporter le processus de développement et renforcement capacité police nationale d'Haïti. Je saisis aussi l'opportunité pour demander au gouvernement et aux partenaires internationaux de continuer à supporter le processus de développement et de renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti, qui s'articule, à titre de rappel, autour de 6 grands axes. Formation, logistique, infrastructure, renseignement, police communautaire, gouvernance institutionnelle, dont le VETIM est un volet. Représentant secrétaire général Bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti, Sancho Coutinho, salue tout partenaire technique et financier qui contribuait dans le début processus ça. Pour M. Coutinho, intégrité et professionnalisme là, important en pile pour l'institution la police là. La relance du vetting se présente à la fois comme une opportunité et une chance de redonner du sens à la devise de la police qui est de protéger et servir par la restauration de la confiance populaire dans l'institution policière. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole.